Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu découverte sur Zombie. Pourquoi je dis un petit peu découverte? Parce que j'ai un peu commencé, hein, j'ai fait 5-10 minutes du jeu pour savoir comment gérer tout ça. Et sur Zombie, le jeu gratuit sur PlayStation Plus du mois d'avril. Voilà, je me suis dit, Moustique m'a conseillé, vas-y prends-le, il y a Zombie et tout, il est gratos sur PSN. Ouais, bah vas-y, on va voir ce que ça vaut et tout ça. Faut savoir que c'est un portage du jeu Zombie U sur Wii U. Sur Wii U, voilà. sur Wii U. Sauf que là, ils ont tiré le U, ils ont mis Zombie, ils l'ont fait sur PlayStation 4. Et je trouve ça très... apparemment, sur Wii U... Alors, j'ai jamais joué à des jeux Wii U, j'aime pas trop les jeux Wii et tout ça. Mais apparemment, il était très très bien... il était assez bien noté, quoi. Ah, c'est un jeu de survie, comme vous l'avez compris, avec des zombies. Oh, comme si le titre ne l'expliquait pas assez. Et en fait, ce qui est assez pas mal, c'est qu'en fait, quand vous avez un personnage au début, mais si votre personnage meurt, et ben il est remplacé par un autre personnage, et votre ancien personnage que est devenu un zombie, et faut le tuer pour récupérer ce que vous aviez avant avec votre premier personnage. Je sais pas si c'est assez c'est bien expliqué, mais en gros, vous commencez avec un personnage, s'il meurt, et ben il devient un zombie et vous reprenez un autre personnage. Et du coup, faut que vous recouriez avec votre zombie, avec votre personnage zombie pour reprendre ses affaires. Voilà, voilà, ça c'est mon premier personnage, Sébastien Lee, un designer graphique. Voilà. Alors, à savoir que moi, voilà, il y a un survivant, c'est le survivant du métro, on l'appelle le survivant, qui nous guide à travers la carte et tout ça pour nous aider à survivre. Et là, il faut, je l'aide à activer des caméras pour, dans une autre zone, et c'est pas celle-ci, c'est une autre, pour pouvoir afficher la carte tout simplement. Alors, à savoir que les touches sont un petit peu compliquées, enfin, les touches sont pas compliquées, mais c'est en fait, il y a un truc, j'ai failli me faire tuer dès le début en skate. Parce que pour courir, en fait, il faut appuyer sur L3, voilà, sur le joystick, et il faut laisser appuyer. Et moi, je suis un, comme vous, pour ceux qui savent, je suis un joueur Call of, quoi. Et dans Call of, t'as juste appuyé une fois et le personnage, il court, donc du moins que tu gardes la direction dans laquelle tu veux qu'il court. Mais là, faut laisser appuyer, du coup, si vous voyez qu'à un moment, je cours et je m'arrête quelques secondes après, c'est parce que j'ai, voilà, comme ça. Et c'est parce que j'arrive pas à me faire ce putain de truc. Alors, attendez, est-ce que je veux aller dans un endroit que j'ai tout à l'heure, je n'ai pas été? Parce que là, c'était, alors là où j'étais, c'était l'abri. Attendez, je vais vous remonter un petit peu. Je vais vous expliquer, c'est un peu une vidéo découverte, hein. Que je la fasse bien un peu en vous expliquant un petit peu tous les trucs qu'il y a, tous les trucs. Alors voilà, là c'est l'abri, hein, que vous ou là où vous sauvegardez, comme ici, hein, le lit c'est pour sauvegarder, pour faire vos ateliers. Alors j'ai pas grand chose pour l'instant, parce que comme je vous viens juste de commencer, juste réussir à avoir un pistolet, et juste en dessous là, vous voyez là où c'est écrit PF, CT, 10, là c'était pour une augmentation du cadence de tir que j'ai réussi à avoir en me promenant. Et le reste, voilà, c'est pour augmenter personnaliser vos armes et augmenter leur efficacité, tout simplement. Ensuite, alors là, c'est... Alors, j'ai pas encore très bien compris, mais il me semble qu'en fait, c'est juste pour... en fait, c'est pour, vous voyez, pour trouver des armes, parce que mon copain, il a des caméras un peu partout, le survivant qui m'aide à progresser dans l'aventure. Et en fait, juste à appuyer sur... à choisir, voilà, qu'est-ce que je veux, par exemple, si je veux retrouver des munitions ou retrouver... par exemple, si je veux chercher des kits de soins, là il y en a zéro parce qu'ils me disent pas, mais là par exemple des munitions, il y en a deux apparemment, ou un pistolet, il y en a pas. Alors, et apparemment, si je veux par exemple des munitions, moi j'ai juste à faire carré, épingler. Alors voilà, j'épingle parce que j'en ai déjà épinglé. Hein, voilà, et ça va l'afficher sur votre carte quand vous allez chercher. Alors, en appuyant sur triangle, vous avez un petit onde sonore qui fait afficher les zombies, voilà. Et alors on ferme la porte. Et je sais pas. Ah non, je sais pas passer tout de suite par là. Je vais faire ça après. Alors une petite onde sonore. Voilà, vous pouvez le faire à n'importe. Vous avez une petite seconde de temps avant qu'elle se recharge. Mais bon, voilà, c'est. Ouais, quoi. Allez hop, voilà. Juste après qu'elle soit finie. Attendez, voilà. Ouah, quoi. 5 secondes après, vous pouvez réactiver, quoi. Vous pouvez appuyer comme un malade. Ce que je fais souvent pour voir s'il n'y a pas de zombies. Parce que je suis une grosse flippette. Je suis pas très adepte des jeux de survie. Surtout les zombies. Hein, voilà.
Alors là, à savoir que notre premier, la première fois que j'ai capturé mon sac à dos, c'est ici. Mais le problème, c'est que je ne peux pas franchir ici parce que vous voyez, elle est barricadée. Et si je veux retirer la barricade, il faut que j'ai un marteau. Parce que tout est à fouiller dans ce jeu. Faut tout fouiller, faut tout prendre pour trouver des munitions, des armes et tout ça. Et pour voir aussi débloquer des trucs comme la porte en bas, il faut que j'ai un marteau. Je n'ai pas encore trouvé de marteau. Là, j'ai fait un petit massacre quand j'ai commencé le jeu avec une mitrailleuse, parce qu'ils nous offrent une mitrailleuse dès le début, voilà. Mais bon, là, c'est tranquille, parce que bah, ça va le début, là, c'est tranquille, parce qu'ils vous expliquent assez bien, et ils mettent pas trop de zombies. Mais par contre, les zombies sont assez chauds à... Alors, c'était juste parce que j'avais une porte. Ouais, ok. Parce qu'elle est barricadée. Voilà, vous pouvez fouiller, par exemple, les endroits. Bon, j'ai déjà fouillé, mais il y avait rien, de toute façon, il y a... C'est... Voilà, il faut fouiller les endroits pour essayer de trouver des ressources voilà ce que en haut tout en haut vous voyez j'ai ma barre de vie et si je me fais blesser bah, ma barre de vie baisse et voilà. Alors à savoir je peux utiliser aussi une petite loupiote, une lampe. Alors là, attendez, j'ai essayé de me mettre un peu dans l'obscurité totale pour que ça se voit un peu mieux parce que là il y a un peu de lumière, vous voyez. Là il n'y a pas grand, il n'y a pas de zombies, alors je peux me promener tranquille, normalement. Ouais. Alors voyons voir, il n'y a pas un endroit obscur. Ah si, si, voilà. Alors voilà, là c'est la lampe normale, vous voyez. Là, elle est toute basique, toute simple. Bon, là c'est fermé. Si je laisse appuyer, enfin si je rappuie une deuxième fois, si je laisse appuyer plutôt, voilà. Elle fait un plus fort, c'est plus lumineux, voilà, tout simplement, c'est plus lumineux. Mais le problème, c'est que vous voyez, j'ai une barre à côté qui se décharge si je l'utilise trop longtemps. Mais la barre, heureusement, voilà, j'ai pas de badge pour accéder à là. La lampe se recharge automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Ah voilà, c'est là que je voulais aller. Voilà, alors je vais passer par là. Alors par contre, c'est un petit peu chiant. Il y a quelques petits trucs un peu chiants. Par exemple, des fois, vous pouvez pas sauter tout seul. Il faut que vous ayez un truc qui vous le dise. Par exemple, voilà, croix et tout ça pour demander à pouvoir franchir une barricade. Par exemple, là, je pourrais passer au-dessus si je pouvais avoir un seau ou un truc comme ça, mais non, je ne peux pas. Ce qui est un peu chiant des fois, parce que des fois, vous vous cognez à un truc comme ça, voilà, par terre, vous le voyez pas. Et c'est un peu chiant. Et aussi à noter, regardez, on peut pas voir mon personnage. Mon personnage n'a pas d'ombre. C'est assez bizarre. En fait, c'est un fantôme. Ah bah voilà, j'ai trouvé des munitions dans une poubelle. Alors, qui va jeter des munitions dans une poubelle? Je me le demande. Je ne sais pas. En tout cas, il était très stupide. Ah là, je peux débloquer apparemment cette porte en appuyant plusieurs fois sur croix. Mon personnage est tout beau. J'espère que je vais pas trop le perdre parce que je suis un petit peu attaché. Bon voilà, ça m'a juste ouvert un autre côté de la porte. Hein. C'était pas très compliqué. Alors là, il me faut un badge. Ouais, j'ai pas encore des badges parce que vous pouvez refaire plusieurs fois les mêmes endroits, mais vous avez différentes façons de franchir les obstacles. Par contre, il y a des portes aussi qui ne servent à rien. Bon, vous allez me dire, là, il y a une clé. Enfin, là, c'est fermé, tout ça. Il y a une serrure apparemment, mais apparemment aussi. À ce que j'ai vu quand je me suis un petit peu promené, on peut barricader, pas barricader, pardon, crocheter certaines portes si on a un outil de crochetage. Mais celle-là, il y a des portes comme qu'on peut pas ouvrir, je ne sais pas pourquoi, comme celle-ci, on peut pas l'ouvrir ou même pas la crocheter. C'est un peu bizarre. Voilà. Bon, bah là, je vais pas m'attarder ici parce que j'ai rien à faire. Hein. C'était le truc du début, à part quelques petits trucs à ouvrir comme des portes que je n'ai pas ouvertes, voilà. Alors bon là, il n'y a pas de zombies, vous allez dire, mais c'est tranquille Snake, il n'y a pas de zombies, t'es tranquille. Ouais, bah c'est le début, hein. Vous n'avez pas encore vu dehors, est-ce que j'ai été dehors, voilà. Alors à savoir qu'on est à Londres. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je me perds un peu. Ah oui, en plus, je vais me perdre facilement, je vous dis, alors je suis capable de me perdre dans ma cuisine. Pourtant, je n'ai pas une grande cuisine. Mais voilà, je peux me perdre. À savoir qu'on est à Londres, voilà ce que je disais avant de me perdre dans mes explications. On est à Londres. Il y a une infection zombie, voilà. Je sais pas trop comment. Voilà. En appuyant sur le pad de la PlayStation 4, de la manette PlayStation 4, je peux accéder à mon sac à dos. Vous voyez que il est assez limité en place quand même, parce qu'il n'y a que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouais, c'est ça, 14 places si je sais compter. Attends, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouais, c'est ça, 2 par 2, c'est bon. Il n'y a que 4 emplacements, et à savoir que là je suis en mode standard, en mode normal quoi. Ce qui fait que, bon, je pense que si on est en mode survie, on a beaucoup moins de place. Voilà, il y a tous les objets. Là c'est vos objectifs. Là c'est le score. Oh, tiens, j'ai fait un score de 690. Infecté, tué. Bah tiens, j'en ai tué 5. Ah ouais, parce que j'ai utilisé la mitrailleuse tout à l'heure aussi, c'est pour ça. Voilà, durée de survie. Bah voilà, ça fait 41 minutes. Voilà, rescapé, jouer. Voilà, pistolet.
Voilà, j'ai tout dit pistolet, voilà, la carte et tout ça, voilà, bah, c'est le truc standard d'un sac à dos. Voilà, le guide de survie, un carnet. Voilà, on peut voir les journaux si vous voulez, voilà, tout ça, voilà. Voilà là, tout ce qui propose le jeu, voilà. À savoir que là, j'avais fouillé et il y avait des mines. Ah oui, et on peut aussi, dans l'abri, mettre ce... Voilà, bah, il parle. Bon, je sais pas si vous entendez bien, parce que moi je l'ai mis à travers la manette, mais on peut changer pour le mettre à travers la télé, pour qu'il parle à travers la télé. Je sais peut-être que ce que je vais faire. Hein. Alors voilà, ce que je disais, vous pouvez mettre dans votre coffre là tout ce que vous voulez, par exemple bah, quelques ressources. Vous voyez, il n'y a pas de. Ah, si, il y a plein de place quand même. Il y a assez de grande place pour mettre de ce coffre. Comme ça, si vous mourrez, vous pouvez quand même reprendre quelques objets que vous avez gardés dans votre coffre. Comme ça, si un autre personnage a. Vous mourrez que un nouveau personnage arrive, vous pouvez toujours. Mettre des objets de côté ici, voilà, comme ça en commun. Alors, on va partir dans une autre carte, un autre endroit de la carte, ici. Oui, j'ai envie d'y aller. Et voilà, il y a un petit chargement, il semble tout assez bien. C'est pas une barre de chargement comme les autres. Voilà, c'est juste là, il montre qu'il traverse. Par contre, on dirait que je suis carrément un soldat, alors que carrément je suis pas un soldat. J'ai un flingue, hein, je crois que je l'ai dit tout à l'heure au début. Je peux passer, tiens, bonjour. Bon bah c'est fini de toute façon, on n'a pas besoin de passer, j'avais pas vu le bouton passer au début. Rouge dans le rouge. Ah bah tiens, je peux ramasser un journal. Voilà, j'ai gagné le journal, c'est bien. Hop. Il fait noir. Alors j'ai ramassé une batte de cricket, hein, mais j'ai aussi une arme. Je sais pas combien j'ai de munitions, tiens, attendez, je vais vous dire ça si je peux vous le dire. T'as capacité 13, oh, j'en ai 13 munitions. Ok, c'est parti. Bon, on y va, on va affronter du zombie. À savoir que la lampe attire les zombies hein, aussi. Du coup, je l'éteins. Non, je reviens de par là. Vaut mieux que j'aille. Voilà. Plutôt dans ce sens-là. Non, là, c'est. Ah, voilà. Nécessite un crochet. Il faut crocheter avec celui-là. Vous voyez que là, la carte, on la voit plus parce qu'il faut que je pirate. Oh putain. Ah, non, attendez, attendez, attendez. Je change. Ah. Oh oui, je l'ai eu. Alors, faut bien viser la tête pour les one-shotter. Sinon, mais sinon, c'est très dur. Alors, ah, voilà. Avec. Pardon, je vous ai pas expliqué. Avec L2, je prépare ma batte. Et avec R2 je frappe. Après je peux frapper juste comme ça faisant des petits coups. Mais c'est très faible. C'est pour les écarter. Mais voilà, sinon vous faire L2 et R2 pour taper. Voilà, je peux fouiller les corps. Mais apparemment il avait rien. Oh putain, comment je le pousse. Oh, oh oui. Ah non, c'est très bizarre ce que je fais. Merde, c'est dégueulasse, je fais de la nécrophilie. Voilà, il fait un peu noir. Il fait peur, il fait peur. Alors attendez, je vais vite tirer dans mes options. Le son pour vous parce que moi j'ai le son dans la manette. Voilà. Comme ça, vous entendrez les bruitages sur la dans la télé. Et moi, je comme ça. Ça vous fera moins chier surtout, voilà. Putain, j'aime pas ça. Il commence à faire noir, j'aime pas. Ah, bah, je peux fouiller apparemment. Ok. Bon, ça va, je suis content de moi. Est-ce que je croyais que j'allais mourir dès les premières minutes du jeu, mais apparemment non. Oh là. Ah oui. Vous voyez, là, regardez, j'ai fait mon petit radar. Il faut que tu scannes les lieux voilà. Manuellement. Savoir ce qui se cache dans les zones sombres. Je fouille ça. Voilà, alors attendez, on va prendre l'échelle. Parce qu'apparemment, oui, il y a un zombie. Je réactive un petit peu ma barre. Oui, il y a des zombies, il y a des zombies. Alors, à savoir, je vais peut-être pas résister longtemps. Ah bah cool. Ah bah voyez, j'ai des fusées éclairantes. Et les fusées éclairantes peuvent les attirer. Putain, ils sont combien? Bon, ils sont beaucoup, beaucoup. Alors attendez. Ah quoi qu'attendez, regardez, je peux tirer sur le baril explosif là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les attirer avec une lampe, avec une fusée éclairante. Non, alors attendez, est-ce que voilà, faut que je la prépare. Alors, attendez, on va prendre l'arme. Oh, bah ça peut. Oh, d'accord, ça a tué un, mais pas deux, quoi. C'est pas facile de viser, hein. On peut pas viser avec la lunette. Ou alors j'ai pas encore trouvé le bouton. Ah bah je l'ai eu. Mais il est pas mort lui. Mais t'as explosé pourtant. Attends, vas-y, monte ta tête. Oh oui le... Ah non, même pas. Ah là oui. Bon, avec ces conneries j'ai utilisé des munitions pour rien. Mais c'était pour vous montrer un peu aussi le tir hein. Il est pas facile, on peut pas viser avec la lunette je crois.
Non, on peut pas viser. Hein. Avec en visant avec le viseur. Alors, est-ce que je peux descendre tranquillement sans me faire. Voilà, si. Ah, faut pas trop tomber trop haut, sinon là, votre vie peut descendre assez vite. Alors, moi, je vais descendre l'escalier, l'échelle là. Voilà, tout doucement, pas me faire mal, parce que voilà, j'ai pas envie de perdre de la vie bêtement comme ça. C'est un jeu de survie et chaque vie qu'on perd, voilà. Chaque grain de vie qu'on perd est. Alors, attendez, je peux peut-être. Voilà, je vais exploser sa tête au cas où elle se réveille. On peut exploser les têtes. Je suis ensanglanté maintenant, c'est beau, c'est super pour la vidéo, merci. Ah oui, là, ma fusée, elle est utilisée, je peux pas la réutiliser. Voilà, alors ça, c'est. J'ai jamais été encore là. Oh, il y a un petit nounours, c'est mignon. J'ai jamais été encore là. Alors, voilà, je suis un petit peu en freelance. On va tirer la lampe parce que ça va les attirer. Voilà, vous voyez qu'il y a eu des blocus quand même de fait. Ah, je peux fouiller la poubelle, c'est cool. Et il y a rien. J'aurais bien voulu des munitions parce que vu comment je les utilisais comme un con. Ok. Est-ce que ça fait. Est-ce qu'il y a une. Non, il n'y a pas d'alarme sur la voiture. Mais si ça se trouve, si on tape dans sur la voiture, ça fait une alarme. Ok. A savoir que sur le criquet que j'ai, on peut choisir dans les options si, du menu principal qu'est-ce qu'on peut mettre sur la batte. Vous voyez, là j'ai une pin-up, mais je pouvais mettre un autre truc. Oh, c'est marrant. C'est gentil de. C'est sympa de leur part d'avoir pensé à ça. C'est marrant. Oh putain, mais je trouve rien! C'est la merde! Attendez, je vais quand même vérifier le nombre de munitions que j'ai quand même. On voit pas les munitions. 14 de tir 24. En capacité, je peux mettre 13 de munitions. Mais ils me disent pas. Ils me disent là que. Ouais, non. Bon, c'est pas grave, je sais pas. Ou peut-être puissance de feu, ça, non. Non, parce que la capacité, c'est le nombre de munitions que je peux mettre. Mais apparemment, on peut pas trop savoir. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on reprend. La batte. Oh putain! La porte était reliée à l'alarme. Entre dans le bâtiment avant que vous les infectez rapidement. Oh putain! Oh là là! Oui, bah, je vais où? Je vais où? Oh putain. Oh, je vais mourir. Oh putain, je vais mourir. Alors, attendez, on va esquiver. On ferme. Oh putain. Ah, c'est bon, j'ai réussi à rentrer. Ah, oh, c'était chaud. Oh putain. Ah, les courses, c'est mon dada, ouais, c'est ça. Oh putain, j'ai eu chaud. Ah, voilà, non, j'ai pas débloqué, hein, non. Mais vous voyez, j'ai perdu un peu de vie. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est des planches. Ah, mais j'ai plus de place dans mon sac à dos. Alors, les planches, ça sert à faire des barricades, hein. Mais j'ai pas d'outils pour ça. Et je vais prendre une barre, un gâteau, voilà, que j'ai réussi à ramasser. Ça va, voilà, ça va augmenter ma vie, c'est très bien. Ça, alors, vite. Alors, des fois, l'interaction avec les objets est un peu chiante. Puisque vous voyez, là, je suis dessus. Mais pourtant j'ai de la place dans mon sac à dos, mais c'est quand il veut en fait. Allez. Je peux pas l'attraper là? J'ai peut-être pas. Peut-être qu'il y en a trop et je peux pas en mettre dans mon sac. Ah oh, oh là là. Où il y a du monde? Vous avez vu sur le radar? Oh putain. Ça fait combien de minutes de vidéo? Oh, ça fait 20 minutes, alors on va continuer un petit peu. C'était juste une découverte. Oh putain. Là il y a des zombies. Ah, j'aime pas ça, j'ai peur. Oh, on est dans un abattoir, super. On voit rien, il fait trop froid. Alors attends, on va préparer la bête. Ah ouais, je peux l'achever. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Je le finis encore un petit peu pour être sûr. Mais ah, en plus, il avait rien, ce con. Alors, à savoir, j'ai pas dit aussi, en laissant appuyer sur L1. Voilà, ça fait scanner les environnements. L'environnement, alors je ne peux pas bouger pendant ce temps-là. C'est voilà. Oh putain, l'effet de avec le froid, c'est vachement bien. Mais par contre, voilà, je peux scanner l'environnement, je peux savoir par exemple. Voilà, là il y a une interaction à faire, là il y a une porte. Ouais, vous voyez, bon, il montre voilà, les objets à ramasser, les portes, tout comme ça sur le radar et sur ma vue, je peux les voir. Ah, c'était. Oh! Ah bah ça va, t'es pendu toi! Voilà! Oh, super, des munitions! Alors, munitions, et ça c'est quoi? Élément de guérison, boisson énergisante, bah, parfait. Bon, par contre, là, faut que je fasse gaffe, comme vous voyez, j'ai plus beaucoup de place dans mon sac. Je sais pas si j'ai encore une place là. Mais bon, si je trouve un truc intéressant, il faudra que je fasse gaffe.
Tout un, c'est un vrai jeu de survie. Ça me rappelle Hitman Contract, hein, parce que j'ai fait un let's play sur Hitman Contract. Voilà, je vous le rappelle, si vous voulez aller le voir. Alors j'y vais doucement. Putain, la porte qui s'est fermée sur ma gueule. Trouve un marteau. Tu vas en avoir besoin pour arracher. Ah voilà. Portes. Voilà, il va m'expliquer pour comment tirer les barricades. Bon là ça va, apparemment il n'y a pas de zombies. Oh zut, j'aurais pu prendre des trucs médicaux là. Fichier, ils ont été vidés. À fouiller. On va fouiller. Ah, oh, marteau, super. Tant que tu y es, récupère ce que tu super. Peux. Tout ce qui est pas boulonné ou vissé, tu prends. Tout ce qui est pas boulonné ou vissé. Je peux récupérer ça, regardez, pour couper les zombies, ce serait bien, non? Bah non, on peut pas, pas. Merde. Y a rien d'autre à fouiller, hein. Non, y a rien d'autre à fouiller. Non, bon, allez, c'est bon. Yes. Yes, c'est bon. Et vous voyez maintenant que j'ai récupéré mon marteau, que j'ai récupéré un marteau, bah je peux aller revenir dans mon abri, là où je vous ai montré tout à l'heure la porte qui était barricadée, que je ne pouvais pas ouvrir parce qu'elle était barricadée, bah là maintenant que j'ai le marteau, je peux revenir dessus et trouver peut-être un truc spécial qu'il y avait derrière la porte. Putain, j'aime pas ça. T'es mort? Oui, on va dire que là, t'es sûr que c'est mort. Putain. Ah, les bruits, c'est chelou. Ça fait peur. Oh putain. Si je le débloque, je sens que ça va aller mal, mais bon. Oh, c'est un super marché. Quelqu'un veut faire ses courses pendant ce temps? Oh d'accord. Oh ouais, one shot. Ah non, mais je croyais que j'allais one shoté. Ah. Allez, merde. Voilà, putain, faut bien viser la tête, c'est pas facile. Allez, une mine. Putain. Allez. Oui, c'est bon, je l'ai eu à la tête. Oh, parfait. Oh, putain, ça va, je me débrouille pas trop mal. Parce que je suis nul en survie de zombies, mais je suis pas trop mal débrouillé. Bah, c'est pour ça qu'il faut mieux les finir. Ouais. Bon, là, il aurait eu le temps de bouger depuis, vous allez me dire, mais bon. Voilà. Oh, putain, des gremlins, c'est quoi ces machins? On dirait des gremlins, ça fait peur? Je peux en avoir un? C'est vachement bien. Killer Rabbit. Et franchement, c'est super, moi. Pour un jeu ou un truc comme ça, c'est vachement bien. Moi, j'aurais bien aimé ça, de voir ça. On peut pas faire des courses? Ah non, on peut pas faire des courses. Là, j'ai un petit peu de surgelé, vous voyez, une petite pizza et tout, pour me mettre dans le micro-ondes. Après, faut que je trouve le micro-ondes, bien sûr. Mais... Ah, alors attendez, on va fouiller là. Bon, y a rien. Tac, tac, tac. Hop. Est-ce que le marteau fait partie de mon inventaire ou pas? Non, c'est bon, c'est comme ça, c'est considéré comme un truc de pour débloquer. Oh, mais y a rien là-dedans, putain! Faut pas fouiller le sac? Non, faut pas fouiller le sac. Oh putain, c'est noir. C'est obscur, ça va dans une cave. On va pas y aller tout de suite. Oh, la souris qui tient plus qu'à un fil. Ah, c'est marrant. C'est comme ma vie, elle tient plus qu'à un fil. Putain, là, oh là, on voit son torse avec la caméra. J'espère que je vais pas trop mourir avec ce personnage là parce que j'aime bien. Enfin, moi j'ai sympathisé. C'est ça le truc avec ce jeu, c'est que. Vous pouvez ramasser, tiens. Ah, l'inventaire est plein. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça va être une barre énergisante, ça. Ouais, c'est ça. C'est que si vous mourrez avec un personnage que vous avez bien aimé, ben ça fait un peu chier parce que si vous vous attachez à un personnage. Si vous attachez à un personnage. Oh, putain, les bruits. Si vous attachez à un personnage et bah. Qui meurt, bah voilà, c'est chiant. Bon, on va pouvoir utiliser un peu le pistolet, comme ça va un peu vider mes munitions. Parce que là, je crois que. Ah non, c'est bon, c'est là, c'est écrit 7 de munitions. Ah oh, oui, d'accord, bah, c'est bon alors. J'avais même pas vu, vous avez peut-être vu depuis le début et vous étiez en train de me le crier, mais j'ai pas vu. Excusez-moi. Regardez, en plus on voit les rats sur la carte. Vous voyez les petits points rouges, c'est les rats. Et des fois ça va. Vous pouvez vous faire avoir à cause de ça. Putain, il avait un truc de platine. Enfin, pour écouter des disques. Mais il est mort comme un caca apparemment. Faut pas utiliser l'extincteur. Comme ça on va pouvoir les refroidir. Ça va leur refroidir leur ardeur. Ah, ah, c'était pas drôle. Bon. Ah, ça commence à être une bonne petite vidéo assez longue, on va s'arrêter là, je pense que ça fait 25 minutes. Oh, je peux fouiller quoi? Ah, je fouille, il y avait un corps là, je l'ai pas vu. Bon, attendez, parce que... Voilà. Ah bah des munitions, bah, parfait. C'est parfait. Un hamburger. Ah putain, je peux pas le ramasser. Il y a des boissons et tout ça, mais je peux pas les ramasser parce que bon, voilà, mon inventaire est plein. Bah du coup, je vais vite retourner à mon abri. Sauvegarder parce que si vous passez plus de 20 heures... Oui, je crois que c'est ça qu'il avait dit, le survivant.
Ah bah attendez, on va scanner ce qu'il me demande. Si vous passez plus de 20 heures dans le jeu, enfin, pas en vrai, mais dans le jeu. Hop. Voilà, j'ai pu connecter au réseau, la carte a... Voilà, c'est ça qu'il me demandait. Sont réactivés. Chaque fois que tu scannes une de ces boîtes de jonction, je la pirate et je mets à jour ta carte. Regarde sur ta tablette. Voilà. Parfait, il a bien expliqué. Qu'est-ce que je disais? Oh putain! Oh putain, il m'a bien surpris celui-là. Oh putain. Meurs! Ah, il m'a eu, salaud. Bon, bon, alors attendez, parce que je vais me guérir. Vu qu'il y avait des trucs pour se guérir en bas, je vais en profiter. C'était où? C'était là-bas. Alors, je vais prendre ma petite barre énergétique. Voilà. Putain, ça va pas beaucoup guérir quand même. Et on va prendre. Ah, cocktail molotov. C'est la meilleure solution. Ah bah un cocktail molotov, parfait. J'ai un cocktail molotov. Ah oui, vous pouvez assigner aussi des raccourcis hein. Par exemple, je vais vous montrer là, vous voyez, j'ai mis à gauche pour avoir ma batte de cricket et à droite pour avoir le pistolet. Et je sais pas si je peux en... Non, on peut pas faire le haut et le bas par contre. On peut pas faire un raccourci avec le stick haut ou bas. Un peu stupide, mais bon. Après, peut-être que dans maintenant, la si on va dans l'aventure, on peut faire. Et ramène ton cul à l'abri en un seul morceau. Ah, là, bon, on va. Bah, c'est parfait, on retourne à l'abri. Bah, ça va finir, voilà, j'aurais fait une petite mission tranquillement. On va quand même débloquer là parce que ça me titille. Je devrais pas, vous allez me dire, mais bon. Ça me titille. Oh, d'accord, c'est quoi ça? Oui, pour réveiller les morts. Oh putain, je suis dans la merde. Bon, on va courir. C'est où la sortie? C'est par là. Oh putain. Allez, les vite. Bon voilà, je lui fais un petit coup pour lui expliquer c'est qui le patron. Oh putain. Voilà, bah lui j'ai eu. On sort vite, on ferme la porte. Oh putain, ferme la porte, j'ai dit. Et on se barre, et où la bougie goût, elle est là. Ouh, c'est quand même stressant, hein. Allez, oui, on s'en va tout de suite, on n'attend pas. Et ouh, ah, j'ai eu peur, là. Bon, vous allez me dire, moi, c'est facile, c'est que 53, moi, je te fais de l'année, hein. Moi, je suis pas habitué à ça, quoi. Bon, j'ai fait un peu de zombies sur Call of, bon, voilà, quoi. Il y avait les potes qui jouaient avec moi, là, je suis tout seul. Le coffre dans la pièce principale, celui avec le symbole du corbeau. Il est temps que tu vois. Oui, bah, ça y est, j'ai utilisé, déjà. Bah voilà, mais je sais comment ça marche, j'ai déjà utilisé, banane. Tu peux y planquer tes armes, tes munitions et tout ton matos. Tu vas pas te trimballer avec tous tes trucs dehors. Mais une planque bien approvisionnée te donnera le choix des armes. N'hésite tout ce que tu veux. Ok. On va tirer quelques trucs comme ça, voilà. Et par contre, je veux bien reprendre mes munitions, parce que j'ai mis mes munitions, mais... On peut pas mettre une moitié de munitions? Non, bon, on peut pas mettre une moitié de munitions. Bon, bah voilà, c'était Zombie, hein, un portage sur PlayStation 4. Gratos sur le PlayStation Plus. Je ne sais pas combien il sera une fois qu'il sera passé, il sera plus. Je vous le dirai peut-être si d'ici là il est toujours pas sur. Il est toujours pas gratuit quand j'aurai mis cette vidéo en ligne. Mais voilà, bon bah c'est bien, c'est un bon petit jeu, c'est très stressant hein, comme vous l'avez vu. Bon là c'est que le début encore, hein, mais bon, c'est très stressant, il y a des zombies partout, il y a des toilettes. Là c'est bien parce que j'ai des toilettes rien que pour moi. J'ai deux toilettes hommes et femmes rien que pour moi. Si vous voulez voir si on se voit dans le miroir par contre. Voilà, on peut pas se voir dans le miroir, notre personnage est invisible, voilà, je rappelle, on peut se laver les mains par contre, voilà. Ah oui, j'ai pété quand même ça, c'est bien joli, voilà. Et bah voilà, bah, j'espère que cet épisode vous aura, enfin cet épisode, cette vidéo vous aura plu, pardon, excusez-moi. Je me crois encore dans les LSP de Hitman Contract. Mettez un petit pouce bleu si vous a plu, moi je trouve que c'est un bon petit jeu sympa et tout ça. C'est dommage qu'on peut pas y jouer à deux, ça aurait été bien, parce que Moustique comme il m'a conseillé de l'acheter, et lui il l'a pris aussi, enfin il l'a pas vraiment acheté, il l'a eu gratos, mais... Comme on se l'est pris, c'est dommage, on peut pas jouer avec un pote, vous voyez, et c'est dommage qu'on peut pas faire ça. Et si notre pote il meurt, et ben il réapparaît avec un autre et on doit tuer son zombie ensemble. Ça aurait été bien, franchement j'aurais trouvé ça bien, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça. Bon, en tout cas, c'est un bon petit jeu de zombies très flippant. Je vous le conseille, en plus c'est gratos sur PlayStation Plus hein, pour le mois d'avril. Alors voilà, un bon petit jeu, en plus il est pas moche, hein. Bon bah il est pas, c'est un petit peu truc de Wii quoi, alors oh je peux fouiller là, tiens, j'ai même pas fait gaffe. Bon, y a rien de toute façon. C'est un peu portage sur Wii U. Alors Wii U est un petit peu moins performante que la PlayStation 4 quand même, faut pas se le cacher. Mais c'est pas moche non plus. Hein. Bon, il y a des interactions, comme j'ai dit, il y a des fois t'es bloqué par un truc que tu peux pas sauter par-dessus.
Mais bon, ça va, on peut sauvegarder. Je vais essayer de rester le plus longtemps avec cet homme-là, hein, Stéphane Mi, je crois que c'est ça qui s'appelait. Et je referai peut-être une vidéo pour vous dire si j'ai toujours réussi à survivre avec cet homme ou pas. Voilà. Allez, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Il va bien faire dodo sous la pluie, le monsieur. Alors attendez, on s'échappe tous. Ah d'accord, c'est... D'accord, il y a plusieurs voyages. Oh, de l'argent. Oh, c'est super, j'ai de l'argent des abonnés. Alors, j'abandonne ça. J'abandonne ça, vous allez comprendre très vite pourquoi.